Bonjour à tous, le deuxième colis n'a pas tardé à arriver. On a eu le premier hier, le deuxième aujourd'hui, et on va le déballer ensemble, toujours avec Léonard. Coucou. Salut mon pote. Bon, allez. Donc toujours Kamisan, toujours depuis le Japon. Carton a pris un petit poc. J'espère que le contenu n'est pas endommagé, puisque il n'y a pas que des bonbons dans ce colis, si je m'en tiens à ma commande. Donc, ah, il y a des trucs à la fraise. Il n'y a plus que des bonbons et des trucs pour maman. Ouais, on a commandé un truc pour maman. C'est quoi le truc pour maman? Je pense que c'est ça le truc pour maman. Ça. Allez, on va l'ouvrir. Puisque Candissa ne vend pas que des bonbons, ils vendent aussi donc des accessoires. Voilà, donc. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un bol qui fait à la fois aussi boîte à casse-croûte. Donc avec son, on peut le mettre dans son petit emballage. Je vais voir si j'arrive. Alors les Japonais sont super forts en emballage. Je sais. Voilà. Vais l'apporter à maman. On lui apportera après. Donc voilà, ça s'ouvre en se vissant. Et tu vois, ça permet donc de mettre plusieurs petites boîtes à repas pour mettre son repas. Donc tu vois, c'est bien hermétique, isotherme. On le revisse. Tiens. Et il y a un petit sac pour le transporter aussi. Voilà, c'est vraiment joli. Et alors, je maman, crois. Il y a un petit sac pour le transporter aussi. Et alors, donc on a le petit sac. J'ai également commandé un truc super. Pour nous, c'est Ouais. pour faire de la cuisine. Ça, c'est pour faire de la cuisine. Un gâteau en forme de tête de panda. En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est un moule. Donc, voilà, c'est un moule pour mouler son pain de mie quand on fait les sandwichs, pour le mouler en forme de tête de nounours. Moi, je pense que les sandwichs vont être encore meilleurs hein, s'ils sont en forme de tête de nounours. Tu crois? Donc, on essaiera, enfin, même c'est pas un nounours, c'est un panda, bien sûr. Donc, on essaiera ça. Alors, toujours des petits kits. Donc là, c'est pour faire. Boum! C'est pour fabriquer des bonbons en forme de hamburger. On fera ça aussi. Là, en forme de sushi, regarde. On peut même faire les œufs de poisson. T'as vu là? Les œufs de poisson au-dessus des sushis. Donc ça, j'en ai pris deux parce que c'est rigolo. J'ai pris aussi des baguettes. Des baguettes japonaises, donc avec leur petit étui solide. Donc qui sont assorties, bien sûr, avec la lunchbox. La boîte à bento. Ça, c'est un kit pour fabriquer des insectes. Regarde. En bonbon. Des gros insectes en bonbons. Ah, je vais en fabriquer le plus. Je veux fabriquer le plus gros maintenant. Ah bah, regarde, j'ai l'impression même qu'on peut faire des larves et tout. On va faire ça. On va faire ça. Du bonbon à la fraise. Bouh. Ça, c'est, je sais pas, ça ressemble à du, peut-être, bon, c'est du bonbon piquant. Oui. Tiens, Est-ce ça a l'air bon, ça. dans la vidéo? Oui, mais les gens, ça leur fait pas forcément peur. Tu sais, ils ont un peu l'habitude des vidéos qui font peur, hein, c'est. Donc, il y a plein de Mais choses. moi, c'est pour faire rire. Un clown. Des petits gâteaux et encore Ouais. des bonbons. Et c'est Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Oh, allez, on va pas dire au revoir tout de suite. On va goûter ça parce que ça a l'air vraiment bizarre. Tac. Mais ça te pique un peu comme le bonbon galette. Ouais, le bonbon bizarre. Ah non, c'est un truc qui se prépare, ça. Ah bon. Tout Ça, alors. faut le préparer. On va goûter autre chose. On va goûter autre chose. On va goûter ces trucs à la fraise. Voilà, ça ressemble un peu au petit bonbon à la mangue qu'on a dégusté hier. Cette fois-ci, j'ai compris comment ouvrir le sachet. Ouais, effectivement. Ça sent super la fraise.
Ouais. Tiens, prends-en un. Alors? T'arrives à prendre? Ça pique. Non, ça. C'est un peu liquide au milieu. Et c'est un bon goût de fraise. Voilà. Sur cette dégustation, on va vous laisser. Au revoir. Au revoir. Et on fera peut-être une ou deux petites vidéos de préparation de bonbons. Histoire de rigoler ensemble. Allez, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de vous être abonné peut-être, d'avoir aimé, d'avoir laissé un commentaire. Ça fait très plaisir. On a déjà eu des commentaires très sympas sur la vidéo d'hier. Et Léonard était très content. Pas vrai? Ouais, salut mon gars. Et au revoir.